Non, pas du tout. Mais vous savez, il faut respecter les lois dans nos pays. Moi, je suis très attaché à la Constitution, aux lois électorales. Ma carrière et durant les deux mandats que vous m'avez confiés à la tête de notre beau pays, j'ai toujours accordé une importance toute particulière au respect de mes engagements. Dans le même esprit, j'avais à plusieurs occasions indiqué au moment de l'adoption de la Constitution de la Troisième République en 2016 que je ne souhaitais pas me représenter à un nouveau mandat présidentiel. En conséquence, je voudrais vous annoncer solennellement que j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Face à ce cas de force majeure et par devoir citoyen, j'ai décidé de répondre favorablement à l'appel de mes concitoyens me demandant d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je peux vous assurer que cette décision mûrement réfléchie est un devoir que j'accepte dans l'intérêt supérieur de la nation, afin de continuer de mettre sans relâche mon expérience au service de notre pays. Compte tenu de l'importance que j'accorde à mes engagements et à la parole donnée, cette décision représente un vrai sacrifice pour moi, que j'assume pleinement par amour pour mon pays. Par cette décision, je vais aussi prendre le temps d'achever de préparer la relève. J'entends également renforcer les actions de rassemblement.